Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 14 au 20 août avec une nouvelle lune mercredi 16. Donc une excellente occasion de laisser des choses derrière vous qui ne vous conviennent plus et d'engager vraiment de nouvelles intentions pour la rentrée qui va arriver bientôt. Les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouvelles promesses à se faire à soi-même et à l'univers. On va y aller, on va aller voir le message pour vous, amis Verseau. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Mais votre carte principale, à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Pensées positives. Peut-être cette semaine, des petits signaux de la vie, des synchronicités, vous amènent de la joie, vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir les énergies. Accueillez vraiment tous les petits plaisirs et les petits cadeaux de la vie. L'univers va vous faire des petites surprises cette semaine. Faites plus confiance. Soyez réceptifs. L'énergie de la géométrie sacrée, amis Verseau, pour vous pour cette semaine. Quelle énergie! Miracle. Bon, écoutez. Et chakra couronne. Miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Donc croyez bien que tout est possible cette semaine. Faites-vous confiance. Soyez ouverts aux petits cadeaux de l'univers. C'est là pour vous. C'est là pour vous faire plaisir, pour vous amuser, pour vous divertir. L'univers n'est pas que source d'expérimentation dans la douleur. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Verseau. Cette semaine du 14 au 20 août, énergie majeure, amis Verseau. Les amoureux avec la grande prêtresse. Quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, de choses un petit peu mystiques, magiques. Très intuitive les Verseaux cette semaine. Faire des choix en fonction de votre cœur plutôt que de votre raison. Être vraiment à l'écoute de vos ressentis au plus juste d'une vérité intérieure. Peut-être l'importance d'une relation amoureuse ou de liens forts. Hein, ça peut être avec votre meilleur ami, avec quelqu'un de votre famille, dans votre couple. La personne qui vous accompagne dans votre vie, une relation forte comme ça qui aura une importance aussi pour vous cette semaine. On va aller voir. Trois cartes pour nos amis Verseau cette semaine du 14 au 20 août. 14 au 20 août, amis Verseau. Les coupes avec un as de coupe. Oups là, le diable qui veut vraiment parler. Et la deux de coupe aussi qui veut nous dire quelque chose. Et l'ermite. Bon, alors c'est très bien qu'il soit là, cet ermite, en train d'éclairer ce diable. Et d'y mettre un sens, une lumière. On repose son mental, on fait un break là-dessus, on essaye de voir ce qui est important, c'est cette disdiocoupe, cet idéal, les gens avec qui vous vibrez, l'idée de faire partie d'un tout, d'un clan émotionnel, quel qu'il soit, quoi qu'il représente pour vous. Balai de coupe. Alors, il peut être question de votre petit enfant intérieur, de votre de quelque chose de naissant que vous sentez en vous aussi. Bon, on peut parler aussi là effectivement d'enfant tout simplement, ou d'un début plutôt le cœur plus ouvert dans l'expérimentation, un émotionnel qui s'ouvre et qui expérimente de nouvelles choses.
En comprenant avec le diable et l'ermite qu'il y a un temps, un fonctionnement qui a peut-être été un petit peu compliqué, ou de comprendre un système d'attachement, de comprendre certaines addictions, certaines attractions aussi. Il est quand même question d'un attachement, d'un lien, de qu'est-ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache, pourquoi vous vous sentez devoir faire telle ou telle chose ou vivre telle ou telle chose. Et trouver peut-être même un sens, hein, trouver des réponses à ces questions finalement, que ce soit oui ou que ce soit non, que ce soit voilà, de mettre un sens à cette énergie du diable. De comprendre aussi un fonctionnement de dépendance à quelqu'un, puisqu'on est quand même sur les amoureux, donc relationnellement parlant, de se libérer, de comprendre aussi que vous pourriez effectivement vous libérer, vous sentir plus libre, mais tout en ayant besoin de réfléchir à la question encore un peu quand même, hein. C'est pas une phase de libération totale. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Verseau, pour cette semaine du 14 au 20 août. Cavalier de coupe, les amoureux et la 8 de deniers. Peut-être une relation à travailler encore, qui prend encore un petit peu plus de profondeur. Valet d'épée. Matériellement, concrètement. Et il y a 3 d'épée. 8 de coupe. Bon. Alors, cavalier de coupe, on y va avec le cœur. Ou quelqu'un, effectivement, se lance dans une aventure. Le cœur vraiment ouvert, idéaliste, avec vraiment toute la bonne volonté du monde. Il peut y avoir des déplacements qui jouent sur votre émotionnel aussi. En tout cas, il y a l'idée d'avancer, d'évoluer, de faire évoluer quelque chose d'un point de vue émotionnel. Le valet d'épée vous ramène quand même à la communication, à apprendre des choses, à expérimenter aussi de nouvelles choses. Alors c'est très intéressant, mais c'est quand même des énergies assez jeunes. Vous avez donc des informations qui peuvent vous arriver. Vous avez la curiosité aussi, la curiosité débordante. Vous avez besoin d'avoir et d'obtenir des réponses, ce qui peut reprendre aussi cet ermite avec qui éclaire ce diable, ce fonctionnement du diable. Et ces réponses peuvent effectivement avoir un impact sur vous, sur ces énergies-là. La 3 d'épée, c'est quand même sur une réalité qui ne colle pas avec une réalité que quoi que vous fassiez ne colle pas avec ce que vous aviez envisagé. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas cette semaine. Ce qui vous explique et qui vous ramène à ces énergies de l'ermite, de comprendre peut-être pourquoi ça ne marche pas. Donc là, il y a quand même l'idée que il y a une prise de conscience là-dessus, il y a une réflexion à avoir. Il y a, oui, vraiment cette idée de comprendre quelque chose par rapport à ça. Vous, basiquement, pour certains Verseaux, quelqu'un peut arriver dans votre vie en vous déclarant sa flamme, hein, de manière très positive, par une communication, des échanges, et en fait, vous vous rendez compte que, en fait, ça va pas, c'est pas possible, ça va pas le faire. C'est gentil, hein, c'est des cadeaux de l'univers, c'est amusant, tout ça, mais ça pourra pas aller au-delà. Vous-même, vous pourriez avoir envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, et puis d'avoir des échanges et communications, et constater qu'en face, ça ne pourra pas aller au-delà. En ça, là aussi, c'est intéressant parce que vous comprenez ce système d'attachement. En fait, ce diable a un impact et très très relié à cette 3 d'épée. Alors peut-être que vous allez toujours vers la même personne et que du coup, vous comprenez pourquoi c'est problématique. Du coup, pourquoi vous prenez toujours un énième mur. Parce qu'en fait, en soi,
c'est plutôt intéressant chez vous parce que ça se fait de manière positive et ça se fait de manière plutôt amusante. Là, on ne dirait pas comme ça, mais on a quand même deux cartes qui expliquent quand même qu'au final, c'est plutôt comme un gag. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est en rire, peut-être même en rire pour ne pas en pleurer, mais c'est comme si vous receviez cette découverte, cette constatation comme un énième running gag. Qui peut-être déclenchera une prise de conscience. On va aller voir le trois cartes émotionnellement, ami, verso. C'est vraiment ça, il y a cette notion de running gag. C'est plutôt positif au final. Alors, ça vous scie, hein, ça vous sidère un peu ou les informations que vous trouvez sont pas forcément très. En tout cas, vous déstabilisent, ça c'est sûr. Mais en même temps, ouais, ça sonne comme quelque chose de récurrent chez vous et vous comprenez pourquoi c'est récurrent. Et donc, ça devient amusant tellement c'est comique en fait quelque part hein, comme de se retrouver toujours dans la même situation, enfin comique. En fait, l'univers vous ramène toujours sur ce sujet-là jusqu'à ce que vous ayez compris, mais parfois il le fait de manière voilà plus amusante que prévu. Alors nous avons l'empereur. Alors là quand même on parle d'une énergie masculine. Alors peut-être que vous avez toujours une problématique récurrente sur l'énergie, ce que représente pour vous l'homme, l'énergie masculine, et que vous tombez toujours dans les mêmes schémas. Il se trouve que là, effectivement, la 3 d'épée se représente. C'est pas grave, ça vous fait conscientiser que vous avez peut-être besoin d'autre chose et envie d'autre chose, ou de faire un petit peu différemment, de vous dire, bon, allez, c'est bon, c'est tellement récurrent, c'est tellement running gag cette histoire que finalement, je prends ça de manière plus légère encore. Moi, je sais que je fais quand même les choses bien et que j'ai envie de mettre des choses en place et que je vais essayer de me projeter quand même positivement, mais peut-être un petit peu différemment par rapport à ça. Donc, il peut être question de cette énergie masculine chez vous qui a un ascendant sur vous, hein, puisque un empereur, on ne peut pas faire plus au-dessus quand même que vous dans ce cas-là, qui a un pouvoir sur vous. Ça peut être une énergie du père aussi, mais ça peut vous représenter, c'est un vrai questionnement pour vous aussi sur comment vous. Le sujet central de votre semaine serait peut-être émotionnellement, comment vous structurez votre vie relationnelle. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place de manière très construite par rapport à ça? À chaque fois que vous vous investissez ou que vous voulez investir dans quelque chose de solide, de constructif au niveau de votre couple, ou etc., etc., ben là, il se trouve qu'encore une fois, ça ne fonctionne pas. Et donc, vous envisagez ben, peut-être de manière plus légère cette fois-ci, de vous concentrer sur quelque chose qui serait plus stimulant pour vous. De vous dire qu'en fait, au final, c'est pas grave, ça vous aura appris quand même à développer des compétences et puis de savoir que le futur sera quand même toujours. En fait, ça ne vous fait pas perdre espoir. C'est ça aussi, vous ne perdez pas espoir là-dedans. L'ermite vous fait simplement allumer la lumière sur ce fonctionnement-là, ce système d'attachement-là, pourquoi vous êtes addict toujours à la même personne, à la même situation, pourquoi ça se passe toujours de la même manière, etc., etc. On va aller voir. Le petit message pour vous, ami Verseau. À entendre. Va sur Internet, ami Verseau. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.